Ok. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Ravi donc de vous retrouver cet après-midi. Donc nouveau point donc de la LRDF. Bon, alors comme vous avez pu donc le constater et donc le voir, vous avez donc été nombreux donc à nous solliciter donc par rapport donc à notre débannissement donc de sur Truckers MP. Alors comme vous le savez, donc on a été donc débanni donc de Truckers MP pour la plupart de certaines personnes qui nous suivent déjà donc sur la chaîne donc de la LRDF et donc sur la rediffusion donc de certains convois donc que l'on organise, d'accord? Comme vous le savez, donc Payano et donc ses confrères donc se sont visiblement arrêtés donc de foutre donc du bazar sur ETS2. Malheureusement, et donc c'est dans cette vidéo, on va être obligé donc de parler donc de mon ex Roxane. Comme vous le savez, cette personne a encouragé donc le harcèlement donc que nous avons pardon subi donc début juillet et ce pendant une longue période et une longue durée. Le vice de problème est que cette personne s'est fait manipuler et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que cette personne donc se retape un nouveau mec, d'accord? Alors cette personne donc m'avait accusé donc d'avoir couché donc d'avoir eu donc des relations sexuelles donc avec d'autres filles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'en est rien à l'heure actuelle. Si on vous fait cette vidéo justement, c'est vraiment pour vous expliquer donc ce qui se passe. Je remercie donc d'ailleurs Eva donc du serveur Île-de-France qui elle me dit laisse, c'est une connasse. Comme plein d'autres personnes qui me soutiennent sur la durée, donc sur la longueur, donc je tenais à les remercier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Payano et donc ses confrères, comme je l'ai dit, Monsieur Enzo DeWitt, Monsieur Guy DeWitt, ainsi que Monsieur Herbing, Monsieur Ozan Guven, Monsieur Abdulaziz, encouragent des comportements juste malveillants, d'ailleurs en utilisant le groupe GCC Virtual Group directement donc sur Ivao et donc sur Vatim, d'accord? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, tout ça, on va pas se le cacher, c'est magouille et compagnie. Maintenant, je vais vous parler plus donc de Roxane. Roxane, comme vous le saviez, c'était l'une donc des personnes que j'aimais vraiment le plus au monde. Et ce qui se passe, c'est que madame donc se tape un nouveau mec, d'accord? Donc j'ai découvert ça donc hier donc sur Instagram hier soir. Alors bien entendu, avec cette personne, vous pouvez pas, c'est pas possible donc de parler avec elle. Donc ceux qui veulent vraiment aller la contacter, je vous donne son compte Insta, c'est @roxane roxane point nerox directement. Donc pour ceux qui veulent aller donc la contacter directement et donc aller lui poser certaines questions et donc lui faire écho et donc rapport donc de cette vidéo. Sachez que nous, on n'est pas responsable de tout cela. Maintenant, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne ne nous a jamais fait confiance. De toute façon, elle ment comme elle respire et à sa famille et à son meilleur ami qui, soi-disant, est gay. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne donc se fait donc manipuler. D'accord? Moi, je lui ai déjà expliqué ce qui s'était passé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le harcèlement qu'on a tous subi donc début juillet, donc mon staff ainsi que mon équipe, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, eh bien, Roxane a encouragé ce genre de comportement et donc a manipulé des gens comme Stéphanie qui, soi-disant, me soutiennent. Alors, je remets pas ça en doute, hein. Mais par exemple Ségolène donc est quand même ma copédégé depuis 3 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle s'est retrouvée donc manipulée. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, elle ment à sa famille comme elle respire, Roxane, et elle ment donc à la famille donc du nouveau mec avec qui elle est. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne l'ai jamais trompée. Mais par contre, elle qui écarte les jambes pour le premier venu, je trouve que c'est très facile et je trouve que c'est juste lunaire et scandaleux ce type de comportement parce que moi, je veux dire, je vois personne. D'accord? Je vous l'ai d'ailleurs tous dit normalement lors de nos points vidéo. Et visiblement, en fait, on encourage ce genre de comportement. Et visiblement, en fait, elle ne comprend pas quand on lui parle et quand on le lui explique quelque chose. Donc justement, pour allier donc par rapport à ce point, je vais donc laisser donc la parole dans un instant donc à Ségolène, d'accord? Donc il va vous expliquer un tout petit peu les choses. Donc par rapport à ce point vidéo, comme Ségolène est donc ma copédégé, je vais donc la laisser parler donc au sujet donc de Roxane, au sujet donc de ses manipulations donc qu'elle a fait envers autrui. Et surtout donc envers ma personnalité, sachant que cette personne, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais vue, je n'ai jamais entendu, ni rien. Et cette personne continue donc de colporter des jugements me concernant sur moi et sur Internet, et surtout en utilisant donc son fameux copain. Donc j'espère que son copain donc verra donc la vidéo. Et donc j'espère que cette vidéo va être explicative et j'espère qu'elle sera repartagée en masse vis-à-vis de Roxane. Je vous invite tous à vraiment l'informer, hein, parce que faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi je suis honnête avec elle, par contre elle ne l'est pas.
elle refuse tout dialogue possible, d'accord? De toute façon, son meilleur ami la soutient, sa mère, c'est à peine si elle décide de sa vie, et c'est à peine si, par exemple, moi, comme vous le savez, on est tous en crise Covid actuellement. Comme vous le savez, il y a des pays qui referment, comme l'Israël, le Portugal, etc., etc., par rapport au Covid, donc avec des confinements généralisés plus précisément, donc en Martinique et en Guadeloupe, d'accord? Et donc, elle me dit quoi? Elle me dit, je suis responsable de la crise Covid. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'en suis pas responsable. D'accord? Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, ce sont aussi, comme on l'a dit nous ici, ce sont des gens qui ne veulent pas respecter les règles. Et ces mêmes personnes, on les retrouve et dans la vraie vie et sur Internet qui ne veulent pas respecter les règles. Donc voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que donc sa famille décidait donc des personnes avec qui elle devait donc se mettre, si oui ou non, ces personnes avaient donc un travail, etc., etc., alors que ses parents ne sont juste pas capables d'écouter que leur fille fait donc n'importe quoi, et donc cautionne et donc collabore avec ce genre de comportement qui est juste ignoble et inacceptable, voire même indécent. Voire même inégalitaire parce que je veux dire c'est limite discriminatoire et en France la discrimination est interdite donc voilà donc il y en a pour certains qui utilisent ça donc voilà je vais laisser donc la parole donc à Ségolène qui va donc s'exprimer sur ce point-là donc sur le point vidéo qu'on vous fait donc cet après-midi voilà Ségolène je t'en prie je te laisse la parole. Voilà, bah, au sujet de Roxane, il y a des choses qui sont inadmissibles par rapport à tout ce que je sais, et il faudrait qu'elle s'excuse là-dessus parce que c'est pas vraiment normal, et qu'elle m'ait dit que j'ai dénigré Matt et que j'ai jamais soutenu et qu'il y a des problèmes. Ça, c'est irrespectueux pour moi parce que j'ai toujours soutenu, je l'ai toujours monté très haut, j'ai toujours dit que c'était une personne très bien, respectueuse, avec aucun problème, qui n'a jamais trompé personne, mais elle ne veut pas écouter, elle ne veut surtout pas ouvrir les yeux. Et voilà. Et sachant ce qu'on m'a dit, qu'elle a trompé Matt ouvertement et qu'il a découvert, ça, je trouve ça vraiment ignoble pour lui. Voilà, donc vous avez donc entendu donc Ségolène, donc vous avez donc entendu son témoignage, donc tout ça est enregistré, donc c'est bien entendu une vidéo enregistrée, donc qui va être remis en ligne sur donc la chaîne de la LRDF, comme vous le savez, donc vous venez donc d'entendre Ségolène. Donc Ségolène l'a très bien résumé, hein, malheureusement ça s'appelle donc de la manipulation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Payano et donc ses confrères, comme vous le savez, sur des entreprises donc réelles comme Truckers MP, comme Steam, comme Ivao, comme Postcon, se sont fait manipuler, d'accord? Beaucoup de personnes, comme je l'ai dit lors de mes points vidéo, sont peu crédules avec la sécurité informatique et donc leur sécurité web. Il faut savoir que ces derniers donc manipulent des admins et donc des IT qui, eux, gèrent justement les réseaux. Et ça, là-dessus, on n'est pas d'accord sur ce point-là, parce que, en fait, le problème, c'est que beaucoup d'IT, beaucoup de game modem, beaucoup, pardon, de game management modérateurs se font donc manipuler sur Truckers MP. Faut dire les choses telles qu'elles le sont. Beaucoup font de l'abus. Hein, ça, on ne veut pas non plus en parler, mais ça existe sur certaines plateformes de jeu, telles que Ivao. Ivao, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont responsables donc de tout cet acharnement qu'on subit donc depuis 4 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas le seul impacté. Comme je vous avais fait donc des points réguliers vidéo directement, comme vous le savez directement. Comment ça s'appelle que Ivao donc s'est fait donc manipuler. Comme vous le savez, je ne suis pas le seul impacté dans ce vice de problème. Il y a Aero 3D, CrysFX, Alloman 66X, donc qui suit directement donc Mrs. Roxane. Bon, Mrs. Roxane, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que toute discussion est impossible avec elle. Ça vire automatiquement à des insultes, ça vire automatiquement à des captures d'écran qu'elle utilise faux et faussées. Et le problème, c'est qu'elle veut cacher ça à son copain. Donc, elle veut cacher ça actuellement au mec avec qui elle a quand même, excusez-moi du terme, hein, mais je vais être violent dans mes propos, mais écarté les jambes. Alors que je veux dire, à un moment donné, quand on est un tant soit peu mature et éduqué, on ne se comporte pas comme ça en société, on écoute les gens, on est capable de leur pardonner. Mais le problème de Roxane, c'est qu'elle a tellement d'imbu de sa personnalité et qu'elle n'est même pas capable de s'exprimer et qu'elle n'est même pas capable de donner son point de vue par rapport à tout ça. C'est-à-dire que derrière, elle ne nous a jamais soutenus. Quand moi, j'avais acheté le jeu Final Fantasy XIV, c'était à peine si je devais me débrouiller tout seul. Ceux qui m'ont pris sous leur aile, c'était Stéphanie et Nep. D'accord? Donc, c'est bien pour vous reconstituer le cadre. Le truc, c'est que sur les vidéos qu'on fait, elle nous a jamais soutenu. Le harcèlement qu'on a subi, elle nous a jamais soutenu. Par contre, le harcèlement qu'on a subi début juillet, et donc toutes les tromperies des entreprises, donc Steam, Truckers MP, Ivao, Vatsim, Postcon, EFI, donc responsable de la rénovation énergétique, Proton Mail, Vimeo, etc., etc. Ça, Roxane ne veut pas en entendre parler.
Pourquoi? Parce que si vous voulez, en fait, elle cautionne et elle collabore avec ce genre de comportement. Et le problème, il est que des groupes, comme je l'avais dit hier lors de mes points vidéo sur Instagram, ce qu'il faut savoir, c'est que des groupes comme Tropical Group VA, comme GCC Virtual Group, comme plein d'autres, encouragent ce genre de comportement. Donc encouragent ce qu'on appelle de la magouille. Faut pas se cacher, hein, faut dire les choses telles qu'elles le sont. C'est de la magouille. D'accord? Je pense que tout le monde le sait. Maintenant, concernant Roxane, vous avez donc bien compris comment elle fonctionnait, c'est-à-dire qu'en gros, pour quelqu'un qui prétendait m'aimer, elle n'a jamais été là. Dans les bons comme dans les mauvais moments, elle n'a jamais été là. Les seuls qui ont été là, c'est Stéphanie, Nep, ainsi que Ségolène, donc ma copédégée que vous avez entendu tout à l'heure. C'est les seules personnes qui ont été là. Alors Roxane qui dit, oui, mais Ségolène, justement, n'est pas honnête avec toi, te manipule, mais alors justement. J'aimerais bien qu'on redonne à nouveau donc la parole à Ségolène, justement sur ce point, parce que Mrs. Roxane dit la chose suivante, que Ségolène n'est pas honnête vis-à-vis de moi. Donc je vais lui laisser la parole sur ce point-là. Et puis, justement, moi je voudrais avoir son point de vue, parce que justement, Ségolène, ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble, sur les deux chaînes réunies, donc celle de la LRDF ainsi que de Simulation FSXP 3D. Et je pense que Ségolène est bien mieux placée pour vous expliquer tout ça. Donc. Je vais lui laisser la parole concernant donc la magouille donc de Roxane et donc concernant donc ses mensonges. Et puis je reprendrai directement la main derrière. Vas-y Ségolène, je t'en prie. Je pense qu'elle manipule parce que moi, elle m'a peut-être franchement manipulée parce qu'elle disait que j'étais dénigrée selon les derniers messages. Je n'étais jamais dénigrée, j'étais toujours mis très haut et j'ai tout fait pour que tout aille bien. Mais voilà, elle ne le reconnaît pas. Et selon les derniers messages, oui, elle va prendre ma défense contre toi, que je t'ai toujours soutenue. Mais à ce que j'ai compris, ce n'est pas vrai du tout. Et là, ce qu'elle fait, c'est. Sachant que je le connais pour les deux serveurs, il n'a jamais été comme ça. Il a toujours été honnête, clair, net et avec du caractère. C'est pour ça que ces deux serveurs fonctionnent très, très bien. Et il n'a jamais hacké personne, il n'a jamais fait aucune bêtise à personne. Et voilà. Sachant que si elle est manipulée par des hackers, par son meilleur copain, sa famille et peut-être quelqu'un d'autre, bah, je trouve pas que c'est pas normal du tout, du tout, du tout. Voilà, donc vous avez donc entendu donc Ségolène donc sur ce point-là, donc concernant donc la manipulation donc, de Roxane, je pense que pour beaucoup de personnes donc, qui vont regarder notre point vidéo, justement, ça va un petit peu vous éclaircir donc par rapport à la situation qu'on traverse. Alors je remercie déjà donc Eteva, je remercie donc Eva donc du serveur Île-de-France, je remercie donc Tempo aussi donc d'être là, je remercie aussi Ségolène d'être là. Maintenant, je vais être clair avec tout le monde et j'espère que cette vidéo va bien être comprise. Moi, je suis un homme sérieux, je ne vois pas d'autres femmes. Je veux dire, à un moment donné, comme on vous l'a dit aujourd'hui, on essaye donc de maintenir donc la société de la LRDF à son niveau actuel, donc c'est-à-dire en ayant rajouté justement des sécurités web, comme on vous l'a dit, avec Red Protect, FTNL. Logger, Secanti Red, et on a rajouté en plus en supplément Pickup et Truckbook client. C'est-à-dire que sur l'ensemble de nos livraisons, maintenant, puisque pour certaines boîtes, on nous dit qu'il leur faut des logs précis, là vous allez avoir pardon, des logs précis sur chaque course. C'est-à-dire que sur chaque livraison qui vont être effectuée, soit en convoi, soit hors convoi, de toute façon vous allez avoir l'heure précise, la vitesse relevée. La destination, de quelle entreprise on est parti, à quelle heure la livraison a été prise, à quelle heure la livraison a été livrée. Donc en fait, si vous voulez, aujourd'hui on fait beaucoup d'efforts sur ça. Et j'estime que, si vous voulez, concernant Roxane, de toute façon, ce qu'il faut bien se dire à ce jour, c'est que c'est une manipulatrice sans nom. Et que malheureusement, on va pas se le cacher, c'est quelqu'un qui ment comme elle respire. C'est-à-dire que malheureusement, on a beau lui expliquer les choses, on a beau lui dire les choses, elle n'écoute pas. Et le problème, c'est qu'en plus de ça, par rapport à ses mensonges, donc avérés, hein, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est quelqu'un qui ment, hein, c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler, qui n'a pas, on va dire, à 24 ans, qui n'a pas d'aperçu de ce qu'on lui dit. C'est-à-dire qu'on a beau lui expliquer, on a beau lui dire que à ce jour, moi, je ne suis responsable de rien, et que à ce jour, je ne l'ai jamais trompé, j'ai jamais vu qui que ce soit. Et eh ben cette personne ne veut pas écouter. Donc si vous voulez, en fait,
Je sais que pour beaucoup de personnes, j'en ai parlé directement, ouvertement, parce que j'en parle de ce que je subis actuellement. Donc, malheureusement, il est que beaucoup trop de personnes me jugent très facilement derrière leur écran d'ordinateur. Par contre, pour me dire les choses en face, il n'y a plus personne. Donc, concernant Roxane, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo cet après-midi, pour bien vous expliquer un petit peu la situation actuelle, donc par rapport aux haters, par rapport à Truckers MP. Donc, déjà, par rapport aux haters, ce qu'il faut savoir, c'est que Payano, comme je vous l'ai dit, n'est plus connecté sur Truckers MP, de fait parce que comme vous l'avez vu donc sur les points vidéo qu'on avait fait précédemment, le mot de passe donc du compte Steam qu'il utilisait pour OTSE ne marche plus, d'accord? Il a été changé donc par Monsieur Charles Deverny et il y a eu opposition à une carte bleue bancaire volée, d'accord? En provenance donc de Payano, donc en provenance d'un pays étranger, plus précisément, l'Arménie, d'accord? Donc voilà, c'est toute cette petite somme de choses que les gens, il faut comprendre qu'en fait Roxane s'est fait manipuler donc par les haters, donc par les gens qui sont donc jaloux donc des contenus qu'on vous propose, d'accord, que ce soit sur la chaîne de la LRDF ainsi que sur la chaîne de la simulation FSXP3D. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux chaînes fonctionnent parfaitement bien, comme l'a dit Ségolène. Il y a des sécurités web qui sont accrues et mises dedans, d'accord, mais malheureusement. Roxane ne veut toujours pas s'excuser de par ses accusations, d'accord? Parce que pour elle, elle dit que c'est soi-disant moi qui l'ai trompée, alors que pas du tout. Donc voilà, donc moi je suis pas prêt à m'excuser, hein. Je vais vous dire les choses telles qu'elles le sont, je ne suis pas prêt à m'excuser auprès d'elle. Parce que je suis désolé, mais écarter les gens, mais coucher avec un autre gars, ce n'est juste pas possible, je veux dire, c'est humain, et je pense que tout le monde me comprendra, et je pense que tout le monde comprendra donc le sens de cette vidéo, et je pense que tout le monde va donc comprendre un petit peu donc ce qui se passe. Donc déjà par rapport aux haters, déjà. C'est pour ça qu'on fait ce point, parce qu'on a eu le temps donc de visionner un petit peu les choses concernant Payano, concernant Enzo DeWitt, concernant Monsieur Guy DeWitt et son épouse. Il nous emmerde plus, ça c'est une bonne chose. Mais la bataille n'est pas finie, parce que cette bataille veut dire derrière qu'on doit être assez vigilant et qu'on doit être clair vis-à-vis de tout le monde, c'est-à-dire que à ce jour, on vous fait un point, on vous dit les choses telles qu'elles le sont. Donc voilà, donc concernant Ségolène, malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que Roxane l'a bloqué, hein. On va pas se le cacher. Roxane l'a bloqué, pourquoi? Parce que elle ne veut pas entendre ce qu'on lui dit, c'est-à-dire que quand on lui dit non, il ne t'a jamais trompé, il y a quand même eu deux personnes, il y a eu Stéphanie et il y a eu Ségolène. Les deux mêmes personnes. Les deux mêmes, d'accord? Et il faut vous dire la chose suivante, c'est qu'elle n'a jamais écouté quand on le lui a parlé. Mais jamais. C'est-à-dire qu'on lui dit les choses, c'est niette, elle n'écoute pas. Voilà, donc en fait, si vous voulez, vous allez comprendre, vous allez dire, ah oui, d'accord, donc en fait, c'était pas quelqu'un du tout d'intelligent et c'était surtout quelqu'un de toxique. Effectivement. Voilà. Donc écoutez, en tout cas, je vous remercie à tous donc de votre soutien, donc des personnes qui nous ont soutenus. Je voudrais aussi terminer rapidos sur Constance, parce que alors je vais répondre donc à Julie, donc Julie APTY, qui m'a contacté donc sur Instagram, sur notre compte de la LRDF. Alors Julie, si tu vois donc cette vidéo aussi, ce qu'il faut savoir donc c'est que Constance nous a soutenu donc par rapport, et c'est ce que disait donc très bien Ségolène donc par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Constance donc nous soutenait donc par rapport à certaines personnes qui nous avaient donc accusées donc d'avoir hacké le serveur de la LCE le 4 juillet. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette histoire est faux, d'accord. Certaines boîtes du jeu n'ont pas attendu les dires de Discord Assistance ainsi que de YouTube Assistance Direction, parce que quand le bannissement est tombé vis-à-vis donc de Truckers MP et qu'il y en a pour certains qui ne connaissent pas du tout le monde du gaming et qui en fait postulent juste pour faire bonne figure sur leur CV et juste pour se la péter après vis-à-vis des copains ou vis-à-vis des copines, vis-à-vis des potes, pour dire ah bah oui, j'étais game management modérateur sur Truckers MP. Oui, d'accord, ok, sur un CV ça fait plus, mais à un moment donné, ça vous rapporte rien. Hein. À un moment donné, c'est juste du bénévolat. C'est juste ça qu'il faut bien comprendre. Donc voilà, donc je pense que ce point vidéo va être assez long pour certains d'entre vous, mais je pense que vous avez beaucoup d'explications là-dessus. Je sais que pour beaucoup, vous regardez tous nos points vidéo que l'on vous donne. Donc déjà concernant les bannissements qui ont été effectués à notre encontre sur certaines boîtes et certains serveurs, ce qu'il faut savoir, c'est que j'en demande aujourd'hui la levée. Ça veut dire que depuis, Payano n'est pas revenu et ne retente pas, parce que vous le savez, il a 4 bannissements à son compteur actif sur Truckers MP, d'accord? Le cinquième, c'est un bannissement permanent. Donc si vous voulez, en fait, le petit Payano, il peut pas vraiment faire autant de conneries qu'il veut. Voilà. Donc, voilà, concernant ça, c'est une chose. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que concernant ce groupe de haters, donc Payano, Enzo DeWitt, Guy DeWitt, son épouse, ainsi que Roxane, Abdulaziz, ainsi que Monsieur Ozan Guven,
collaboré et qui ont cautionné ça et qui ont arnaqué, parce que ce qu'il faut, on va vous le dire, le groupe Tropical Group, c'est ni plus ni moins du Texcam. Alors, qu'est-ce que du Texcam? C'est en gros prendre, pardon, la pleine possession de votre ordinateur et en gros y installer des logiciels qui sont pas vraiment très clairs. D'accord? Donc, en gros, c'est à peu près ça. D'accord? Sauf que, en fait, par rapport à Tropical Group VA, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est de la magouille. On va pas vous le cacher. C'est pas clair. Il y a des choses qui sont pas du tout claires. Et concernant ça, ce groupe de haters, ils ont fait de la merde. Parce que on va vous dire les choses, hein. Ils ont bloqué des pistes, ils ont mis des musiques nazies, vous les avez vues, hein. C'est tout ça, ce sont des vrais faits qu'on vous expose, hein. C'est-à-dire que ça, Vatim et Ivao, alors plus Vatim les ont bannis directement à vie, mais concernant Ivao, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont rien fait. C'est-à-dire que ça se passe sur Vatim, ils s'en battent les couilles. Par contre, quand ça se passe sur Ivao, ah bah là c'est un peu différent, parce que si vous voulez, c'est au bon vouloir de la personne et c'est un petit peu de la magouille. Voyez? Vous voyez un peu le vice de tour. Donc c'est un peu compliqué de devoir s'expliquer, de devoir dire la vérité. Donc si vous voulez, en fait, ces haters sont prêts à moi. Pourquoi? Parce que déjà, un, sur la simulation FSXP3D, je suis un très bon pilote. Donc j'ai quand même plus de 4000 et quelques heures de pilotage sur simulation. D'accord? Donc sur simulateur. Donc c'est digne quand même d'un pilote de ligne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce petit groupe est jaloux. C'est de la jalousie. C'est, on va pas se le cacher, on va pas se le mentir. C'est de la jalousie, ni plus ni moins. Et cette jalousie qui est là, et ben c'est dans le but de me porter préjudice. Et c'est surtout dans le but, en fait, d'arnaquer et de prendre, en fait, comme Micode vous l'avait dit, sur certaines vidéos, prendre votre confiance à revers et utiliser vos données personnelles. Donc, utiliser votre crédibilité et, en fait, utiliser votre faiblesse pour vous utiliser, vous manipuler. C'est ce qu'a fait donc Roxane et donc c'est ce que Roxane a subi. Et donc, malheureusement, à écarter les jambes comme elle l'a fait, et ben c'est pas pardonnable. Je suis désolé, je suis humain, d'accord? Je ne traite pas toutes les femmes de salopes, pas du tout, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que le comportement de Roxane en est typique aujourd'hui et en est la preuve. Voilà tout le monde. Donc je pense qu'on a fait le tour. Je pense que Ségolène, je pense si tu as quelque chose à dire ou à rajouter, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, j'ai rien à dire du tout. Il y a tous les points qui ont été dit. Il n'y a pas de problème. Ok, voilà donc. On vous invite quand même à revoir donc toutes nos vidéos bien explicatives par rapport à tout ça, donc par rapport à Roxane. Et puis sachez donc que ces deux vidéos donc seront et rediffusées sur Simulation FSXP3D, donc sur la chaîne YouTube, ainsi que sur la chaîne donc de la LRDF, LRDF-Les Routiers de France. Donc voilà, en tout cas un grand merci pour vos soutiens, vos messages de soutien qui arrivent extrêmement nombreux. Et puis en tout cas un grand 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 merci à tout le monde donc, de nous faire confiance. Sur ce, on vous souhaite à tous une très bonne après-midi et à plus tard. Salut tout le monde.